Bonsoir Richard, je suis désolé de ne pas être avec vous. Encore une fois, j'avais promis et puis je n'ai pas pu tenir ma promesse. Pourtant, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Je salue Monsieur l'ambassadeur, je salue Patrick, je salue Pascal, Nouné, Mathieu. Qu'est-ce que ça représente pour moi les 20 ans de l'anniversaire de notre pays, même si c'est un tout petit pays. J'ai eu l'occasion d'y aller il n'y a pas si longtemps que ça. Et surtout, j'ai l'occasion de porter sa musique depuis 4 ans maintenant, que j'ai un petit peu mélangé au jazz. Et j'ai trouvé un pays formidable, un pays d'artistes, un pays de musiciens dans l'âme, un petit pays qui produit des gens extraordinaires. Je crois qu'il n'y a pas une famille sans qu'il y ait un artiste à l'intérieur de celui-ci. J'y allais un petit peu en observateur et je suis revenu, mais plus que conquis. Et puis, il y a une deuxième chose qui me fait plaisir aussi. C'est que j'ai l'impression que ce petit pays ne se laissera plus jamais marcher sur les pieds et que les temps difficiles sont loin derrière nous. Et je salue à l'ambassadeur du Haut-Karabagh et je crois qu'il y a une page de notre histoire qui est définitivement tournée et que le futur, il sera beau. Voilà. Tout ce que je peux vous dire, j'ai eu tellement de plaisir l'année dernière à être le parrain du phonéton pour le Front arménien de France. J'ai vu tous ces gens qui travaillaient ensemble et encore une fois, plus je m'immerge dans cette magnifique diaspora, et plus ça me fait du bien et plus ça fait plaisir à mon grand-père qui est là-haut et à tous ceux qui ont fait qu'on est là aujourd'hui et plutôt pas si mal que ça. Voilà. Merci à vous et je vous embrasse de tout mon cœur.